Alright, so we're back again with another One Sound in 1 hour. This time is Dino's one. Now, before we get into it, subscribe if you haven't already. It's free. I mean, you can always change your mind, unsubscribe later. And also, join the Discord, join the community. There's a link to that in the description. We just talk about stuff, obviously, semi-translations, song requests, all that jazz. See ya. Let's go. Salut, c'est le motif et on est de retour dans un nouvel épisode d'un son en une heure avec Dinos. Et pour l'accompagner, des beatmakers hors pair que tu peux retrouver sur son projet Stamina, Ken et Ryu, mais aussi DSK on the beat. Alors, un son en une heure, c'est très simple. On a une heure pour faire un son en partant de rien. La prod, écrire, poser et plier le bail. Ça commence tout de suite, il est 13h37. J'ai envie de tenter un faux afro. 37. Leet. If you know, you know. Oh. Fake. Ouais. Ah ouais, frère. Pourquoi t'as quitté le chat comme ça? Ah mais frère, parce qu'en vrai, de vrai, en vrai, non mais en vrai, t'as ouais. Vu, le truc, c'est bien et tout, mais quand on fait un truc bouscapé en une heure, on se dit qu'on va faire du peurin, etc. Et ben j'ai envie de prendre le truc à contre-pied. Oh. Et de faire un truc différent de ce que j'aurais pu faire sur mon album ou de ce que j'ai pu sortir récemment et tout. Versatility right there. Émotion, tu vois. Je trouve que, par contre, je trouve que vous prenez beaucoup de temps. Non, parce que tu vois, moi j'ai regardé des bouscapés en une heure. Ah non, ça va vite, hein. Non, je trouve que c'est un peu à l'aise, t'as vu, Charles. Mets-moi le métronome. Take it too long. Bon, là ça fait 10 minutes que le challenge a commencé. On a terminé une boucle qu'on exporte et qu'on met dans Pro Tools. Et il va poser sur la boucle. Sur la boucle. Les drums, ça va être la surprise à la fin, tu vois. Normalement, on attend le couplet, lui, il va poser sur la boucle et plus on rajoutera les drums. T'as vu, pour moi, ça c'est du sabotage. Je trouve que là, t'as vu. I mean, you see what he said there, like, he's got, they were gonna wait for the drums. Wait for the verse. Oh, wait, no, what'd he say? Hold on a minute. Hold on a minute. The drums will be a big surprise at the end. Did they normally wait for the verse, but he'll record it on the loop, then we'll add the drums. Yeah, so he'll wait to add the drums in first. Normally, you wait for the full beat. But I guess, I mean, if he's got the... Like just like the general gist of it, you know, he's got the BPM, he's got the vibe, he can start, I guess. Because sometimes people write their verses before they've even got the beat, right? And then they can do it the other way around. That sounds mad to me. I don't know how people do that, but do whatever round you want. Ça c'est du sabotage. Je trouve que là t'as vu, ils arment à leur ordinateur, ils prennent du temps pour exporter. Non mais tu vois ce que je veux dire, ils ont pas d'airdrop, c'est... Je comprends, frère. Hey, le micro est réglé déjà, bon. Ça te va la hauteur, c'est bien. Oh yebi que bon, le micro est à régler. Dino, c'est quelqu'un, il a des textes incroyables. Et je me dis, pour contraster ça, faire une gimmick super simple, un yes. Yes, 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 yes. Je me dis, s'il arrive à placer un petit truc comme ça, ça peut être chaud. Yeah, yeah, plus d'autotune, plus de tout dans mon casque. Plus de tout dans son casque. Plus de tout. Yeah, yeah, plus de voix, plus de tout. Tout, il a dit tout. Fuck the technical words, I want everything. Yeah, yeah, yeah. Reverb, delay, autotune, tout, tu tournes. 10-35, mets du plomb dans la cervelle. Chante l'amour comme du Kaplan. Okay, we got some reading. Sing about love like Decap La Merville. Merville? Merville. Better known as Fally Le Papa? Is that a silent L or is that an I? Hip Hop, I'd have no idea. A real figure in Congo and internationally. One of his nicknames is Decap the Wonder because he likes Leonardo DiCaprio. Okay, Decap. Okay, got you. I was about to say, what the fuck is Decap? Oh, more reading. Hold up. I'm a menace like Kane and like Pernell. Kane and Pernell, the two characters from the classic film Menace to Society. Je n'aime que maman, je n'ai peur que de l'éternel. 6-35, mets du plomb dans la cerveau. J'ai une menace comme Kane et comme Pernell. Comme Kane et comme Pernell. Il a des très bonnes vibes là qu'il est en train de sortir. I like it already. Je pense qu'on va en utiliser une pour le refrain. Ouais, tu me diras quelque chose. Ouais, celui-là, tu la mettras de côté, tu vois. Mais ça va, hein, quoi, il est quelle heure? Il est 57, 50, 59. Ça fait 20 minutes qu'on commence, on est bien lancé. Ça c'est chaud ça. Hey. Lui il s'occupe des drums. Okay. Pendant ce qui est rythmique, Dilo il est en train de trouver ses top lines. Et après on va rajouter les drums à la top line que Dilo il a posé déjà. Et là je pense qu'en même temps qu'il trouve sa top line, il est en train d'écrire dans sa tête. Et dès qu'on aura la prod en vrai, il va poser. C'est les mêmes conditions.
it's mad to see how like all different people worked on it, because obviously there's so many of these I've watched now. I mean, not so many, I've watched like 3 or 4. But like it's mad because like bare people just do, you know, they just have different ways of doing things. Like the other time, they had the beat, I think it was in Kekra's one, they had the beat like fully done in, I don't even know, it felt like 20 minutes, the beat was fully done. These guys are half an hour in and like Dino's is still like trying to find a top line, like they said, so they're waiting on that and then they're going to put the drums in. Like the process is different for everyone, it's mad. Crazy. Perfectionist. Takes a lot of time. I would love to see some British artists do this. Someone needs to do this in the UK. Dicap la merveille, El Rey Mago, 3 fois Hustler. El Marabio, El Pichichi, El Pibe de Oro. Je pourrais te aider par vengeance. Je pourrais te fumer par amour. Vas-y. Les punchlines. Ah, Dicap la merveille, aigle. La motif is loving this. Mon gars. En fait, maman stresse quand je suis dans le Banks, bébé stresse quand je suis en showcase. Comme tu faisais, quand tu disais maman stresse quand je suis dans le Banks, ouais, je suis en showcase, fais encore une phrase, ouais. Tintin quand je suis en tasse, ouais. Et puis tu dis juste quand je suis en showcase, quand je suis en showcase, ouais, tu vois. Side effect is that he does all the same concept 3 times on Sunday, one day for 1 month. I see every reason why Lemotif represents the show. He's a singer, a beatmaker, producer, and a composer, so he knows how to guide the art. That's fair. Yeah, I mean, I can tell he's very fucking into it. You can't be this passionate about it if you don't really know what's going on. Especially telling the artist what the fuck, he's like giving him what the fuck to do, so mad. Le son, il est trop chaud, donc ça m'inspire et surtout il tient des mélodies qui sont incroyables. Et en fait, Dinos veut juste un peu le caser pour qu'il garde sa mélo, tu vois. Le gars, il sort des pépites, attrape-en une. Bam, bam, kadam, bam. Vous avez intérêt à mettre des kampanakapam, hein. Lui, il s'occupe des rolls, des petits instruments pour les transitions. He's even telling them how to add the drums. Il finalise un peu la rythmique, etc. Ouais, rythmique, arrangement. Arrangement, petit pad pour les refrains. Voilà, on est bon, hein, on est presque bon. Alors là, il a déjà posé le premier couplet, il a déjà posé le refrain, et sur le deuxième couplet, il se demande s'il doit rajouter des trucs ou en enlever. Il nous reste 15 minutes. Moi, je pense que ça va, mais en même temps, c'est pas moi qui pose. Bouscapé. Ce son, il pourrait pas sortir en 2020, parce que le showcase, c'est die. C'est ça la vérité. Bon, on n'est pas si choqué, ça, on est confiné, hein. Mais comment? Ouais, stop. Mais c'est une première, le gars, il a fini le couplet avant qu'on ait fini la prod. Franchement, ça mérite d'être. Finish the verse before they finish the beat. Works the other way around. I mean, there's 20 seconds left. How'd they not finish the beat? They better finish it quick. Peut-être vous allez assister à un moment incroyable, tu vois. Il a pas posé sur la prod, ça veut dire on sait pas à quoi il ressemble le son final. On va glisser le truc, mad. Et là, normalement, on va avoir une très bonne surprise. Mad, how do you even do that? I'm gonna slide the whole thing on normally and I should have a very good surprise. So he's recorded it on just the one loop that they made at the beginning and they were adding stuff afterwards for his... That like basically complemented his voice and the whole production together. Peut-être vous allez assister à un moment incroyable, tu vois. Il a pas posé sur la prod, ça veut dire on sait pas à quoi il ressemble le son final. On va glisser le truc et là normalement on va avoir une très bonne surprise. Hey yo fam, where's the song man? That's too big for your boots, Nick. Hey, come on. Doing up Stormzy. I said it's too big for your boots. Hey yo fam. Quoi il ressemble le son final. Oh, done. On va glisser le truc et là normalement on va avoir une très bonne surprise. Hey yo fam, where's the song man? That's too big for your boots, Nick. Hey Kamali, where's the food man? C'est bon là, c'est me? Where's the food? He's doing up Top Boy as well. Let's see. Please. Hey yo fam, where's the song man? That's too big for your boots, Nick. Hey Kamali, where's the food man? C'est bon là, c'est me? He's taking 14h37, the piss. Hein. C'est comme ça qu'on fait un son en une heure, mec. T'entends, tu m'entends? 6:35, mets du plomb dans la cervelle. Chante l'amour comme du cap la merveille. J'ai une menace comme Ken et comme Pernel. Je n'aime que maman, je n'ai peur que de l'éternel.
à deux doigts. C'est that, like, you could just hear how much the fucking drum. That's one thing I never really pick up on. But if like take away the drums, it sounds so fucking different. The drums just complement it so much. Cap la merveille, yeah. J'suis une menace comme Ken et comme Pernel. Je n'aime que maman, je n'ai peur que de l'éternel. À deux doigts de prendre rendez-vous chez le psychiatre. Minute 30, j'arrive ganté comme. Minute 30, I arrive gloved like Sifax. He arrives with a mini 30 firearm and gloved like the rapper Sifax, known for wearing gloves in his episode. Sifax, 1h30, on se retrouve sur le parking. Je dois faire vite, je suis l'espoir de la famille. Le fun sonne, je suis pas un homme. Alors, je dis c'est qui, je dis pas allô. Je pourrais t'aider par vengeance. Je pourrais te filmer par amour. Le fun sonne, je suis pas un homme. Je dis c'est qui, je dis pas allô. Je pourrais t'aider par vengeance. J'pourrais te filmer pas. Maman stresse quand j'suis dans le Bronx. Bébé stresse quand j'suis en showcase. J'dirais pas vraiment que j'taffe, mais j'suis en showcase. J'suis en showcase. Okay, so that was the little line he added that LaMotiv said he needed to put in. Also, I lied, he didn't change it. He just had a different line that was kind of similar to it. Gotcha. Gotcha. J'pourrais t'aider par vengeance. J'pourrais te filmer pas. Maman stresse quand j'suis dans le Bronx. Bébé stresse quand j'suis en showcase. J'dirais pas vraiment que j'taffe, mais j'suis en showcase. J'suis en showcase. Maman stresse quand j'suis dans. What does he mean by that, by the way? I'm on the showcase. I'm on the showcase. Baby, like when he's on, just like when he's on show, when he's out there, when he's doing his thing. Like, mama stresses when I'm in the hood, that makes sense. Baby stresses when I'm on the showcase. Like, his girl doesn't like it when he's out there getting known, or like, what does he mean, showcase? Let me know. Baby stress quand je suis en showcase. On dirait pas vraiment que je taffe, mais je suis en showcase. Elle pourrait me faire couper la terre en deux. Elle pourrait me faire goûter le mélange. Elle pourrait me faire rester le même en mieux. Elle pourrait me faire brûler un million d'eux. Oh les mains, hold up. Je suis dans le bench, fuck up. What's happening? How are we lagging? How's it buffering? What's going on here? How the fuck are we buffering? Fuck up. J'ai besoin d'une. Salut, c'est le motif. What the fuck was that about? Visio. Oh, Jesus Christ. It's absolutely fumbled the bag here. Why's the quality gone to shit as well? 1080p? Lies. Chingling. Appelle-moi visio. Fuck up. J'ai besoin d'une minute. Pour manger, pitching et l'une. Appelle-moi visio. Bébé Nalingi, yo. Je peux t'emmener au paradis tout de suite. I can take you to paradise right now. I know the bouncer well. Bouncer, double mean, sets a connotation, the expression to go to set. Oh, so this was the for the previous line. To go to the seventh heaven, to designate the fact of enjoying. One of the famous clubs in Paris is called Paradise. I can take you to Paradise. Got you, and then he goes in the bouncer. That makes sense. Je peux t'emmener au paradis tout de suite. Je connais bien le physio. Maman stresse quand je suis dans le Bronx. Bébé stresse quand je suis en showcase. Je dirais pas vraiment que je taffe, mais je suis en showcase. Maman stresse quand je suis dans le Bronx. Bébé stresse quand je suis en showcase. Je dirais pas vraiment que je taffe, mais je suis en showcase. On s'endort dans la Benzo. On se réveille dans la Enzo. Elle est jalouse, je pense qu'elle m'aime trop. Quand je suis en showcase, on s'endort dans la Benzo. On se réveille dans la Enzo. Elle est jalouse, je pense qu'elle m'aime trop. Quand je suis en showcase. Mad Nose D Ouskapé. Ce son il pourrait pas sortir en 2020 parce que le showcase c'est die. Because the showcase is it died. Please explain. Please explain what that means. Also, going to bed, falling asleep in a Benz and waking up in a fucking Ferrari Enzo. That'd be a bit terrifying, no? You just waking up in another place if it's always kidnapped you. It'd be a good surprise. Don't get me wrong, but terrifying at the same time. Anyway, all right, yeah, that was mad. If you liked the video, leave a like. Let me know what you thought of it. Let me know if I should check out any more of these. Just know that they can't come frequently because, as you can see, this is like May on Patreon. She makes all these videos for me with the subtitles, so she's doing that out of the kindness of her heart. So, you know, I can't just react to any of them if they don't have translations. But if you do want to translate anything for me, head over to the Discord. We've got a little translations tab in there. Where is it? Over in the Trap House. You know, I've got songs I need translations for. So if you feel like you can translate any of them, or you want to translate these, or any other ones you recommend, you can put them in here. Right here, translations.
and I shall try and get to them. Anyway, if you like the video, leave a like, follow the socials, all that stuff. And I'll see you in a bit. Bye-bye.